plus de notes, moins de mots, ça va être le maître mot des vidéos. À partir de maintenant, je jure, c'est fini, je parle moins. Je reprends Stella by Starlight, première grille, impro, uniquement sur fondamentale quinte, fondamentale tierce. Ensuite, deuxième grille, fondamentale quinte. Puis troisième grille, si j'arrive à aller jusque là, fondamentale septième. Et enfin, quatrième grille sur uniquement une impro, une espèce de chorus, donc, sur les accords, les tétrades. 1, 3, 5, 7. Et après, on en parle. Métronome 68, 2 et 4. 1, 2, 1. Concentration. Alors, les étapes, quand même, il y a des étapes préliminaires avant de faire ce genre d'exercice, enfin ce genre de pratique à la maison. Une des premières vidéos que j'avais postées qui s'appelle Morning Zen Exercise,
qui est un exercice, enfin une pratique instrumentale recommandée par Hein Vernegen, qui est un mec absolument génial, un pédagogue hors pair, un excellent humain, un musicien génial, enfin bon bref. Donc revoir la vidéo Morning Zen Exercise, qui est une étape hyper intéressante par rapport, enfin pour développer ce genre ensuite de relation avec une grille sur l'instrument. Revoir aussi la vidéo main gauche scie et mobile pour tout ce qui a trait au déplacement de la main gauche. Avant d'arriver à faire ce genre d'exercice où je couvre quand même pas mal de surface sur le manche, travailler les schémas sur deux octaves, évidemment, enfin, pour moi c'est impensable de faire autrement dans ma pratique. Voilà, donc il y a tous ces, prérequis qui sont... qu'il est bon d'acquérir avant de se lâcher comme ça dans un truc. Les schémas comme ça, travailler les schémas sur deux octaves, bon alors c'est sûr qu'on peut les monter, les égrener, 1, 3, 5, 7, et puis ensuite des gammes ou des modes. Ça permet d'aller d'un point à un point de manière assez consonante. C'est bien d'envisager de les briser aussi. Par exemple, au lieu de faire des arpèges qui seraient 1, 3, 5, 7, de faire des formes qui ouvrent plus, par exemple 1, 5, 7, 3. Tout ça, en fait, bon après ça dépend comment on a envie de jouer, hein. Moi je sais que j'ai toujours été touchée par les bassistes type Mark Johnson qui ont un développé sur l'instrument vraiment remarquable, hein, au niveau bond géant. Moi c'est un truc qui me séduit, qui me plaît et donc que j'ai eu envie de reproduire. Donc des arpèges brisés, ça c'est bien à faire. Et surtout ce travail avec les schémas. Et en brisant les arpèges ou en brisant je sais pas quoi d'ailleurs, non, les arpèges parce que briser des gammes, bah, ça permet en fait de pas rester figé à l'intérieur d'une position. Le truc c'est qu'on travaille une position pour être un peu sécure à l'intérieur de quelque chose, puis on va travailler une autre position ailleurs sur le manche, mais ensuite comment est-ce que, en fait, comment est-ce que j'explose les frontières. Le truc c'est d'avoir au fur et à mesure une perception du manche qui est, le manche étant une unité fractionné en différents points, mais j'ai pas une position qui est là, et puis j'ai pas une position qui est là. C'est vraiment comment est-ce que je peux arriver à rejoindre des points partout sur le manche. Voilà, donc petite analyse, la première grille en tierces. Avec les tierces, c'est assez facile d'entendre la saveur de la grille. C'est bien d'avoir le mouvement des fondamentales, de savoir les chanter avec l'instrument. Il y a tout un travail avec le métronome aussi, je reviendrai sur d'autres vidéos encore pour retravailler, enfin reproposer des pratiques de travail avec le métronome pour acquérir de l'autonomie à l'intérieur, de la stabilité rythmique et de l'autonomie à l'intérieur. Donc avec les tierces, facilement à faire chanter la grille, à faire entendre et reconnaître la saveur acoustique, la saveur harmonique de la grille. En plus, c'est toujours joli, une tierce, on aime bien, hein, c'est sympa les tierces, non ? Bon, ouais, voilà. Avec les quintes, deuxième grille, plus difficile de faire sonner la grille juste avec des quintes. Essentiellement, enfin là, typiquement dans un morceau comme ça, et assez souvent dans les standards de jazz, mais même quand même dans la musique pop contemporaine, les accords s'enchaînent souvent par quarte. Là, par exemple, je prends la cinquième, la sixième, la septième et la huitième mesure du thème. J'annonce un enchaînement par les accords s'enchaînent par quarte, comme dans All Thing You Are. Fa mineur, si bémol, mi bémol, la bémol. Ça, c'est les fondamentales des quatre accords de la deuxième ligne de la partition. Je reviens à mon propos fondamental quinte. Okay. Mon premier accord, c'est un Fa mineur. La quinte est un Do, tout va bien. Mon deuxième accord est un Si bémol et ma quinte est un Fa. Donc déjà, la quinte de mon deuxième accord, c'est la fondamentale de mon premier accord. Et la logique continue. Mon troisième accord est un Si bémol majeur. La quinte est un Si bémol qui est aussi la fondamentale de l'accord précédent. Donc il y a une espèce de redondance acoustique
qui fait qu'il est difficile qu'avec des quintes de faire entendre le mouvement de la grille, c'est-à-dire le mouvement, la progression des fondamentales. Donc, fondamentale quinte, évidemment, c'est extrêmement important de le faire, comme avec les tierces et comme avec les septièmes. Mais il ne faut pas trop se prendre la tête si jamais ça ne sonne pas super bien. Il faut trouver des ruses, quoi. Petit aparté, oui, évidemment, en fonction de son aisance sur l'instrument, on peut développer ce genre de travail sur une large surface de manche ou bien rester dans quelque chose d'un peu plus restreint. Le truc étant toujours de pouvoir se challenger sans se mettre dans une position de difficulté et se challenger suffisamment pour pouvoir, ou pas d'ailleurs, on peut aussi faire des pratiques quotidiennes qui servent à répéter ce qu'on a fait la veille ou l'avant-veille ou la semaine avant, simplement pour bétonner, pour valider et pour bétonner. Mais ce qui est toujours important, je trouve, c'est vraiment d'avoir la possibilité de s'accorder des bons points et de se féliciter quand on fait bien quelque chose. Donc on a toujours des références d'excellents musiciens qui nous donnent envie, ce qu'ils font nous séduisent, on regarde, on fait « waouh, putain, j'aimerais bien faire pareil quoi ». Mais ça, c'est un point de mire. Et mon point de départ, il est ailleurs. Ce qui est important quand j'ai terminé une pratique, c'est pas de me dire « Ah, j'ai pas réussi à faire comme fait le mec, quoi !» Et avec plein de petits sous-titres, de noms d'oiseaux, espèce de gros nul, t'y arriveras jamais, t'es vraiment une merde, etc. Ce qui est important de reconnaître, de valider, et d'être vraiment d'être en bienveillance avec soi, si je reviens là-dessus, c'est que moi, j'ai été en très grande malveillance avec moi. Je me suis maltraitée dans ma relation, dans mon retour sur ma pratique musicale. On est très dur, on peut avoir des mots très durs vis-à-vis de soi. Et donc, je pense qu'il est vraiment très important de pouvoir noter que quand j'ai commencé à prendre mon instrument il y a une demi-heure, il y a une heure, il y a deux heures, j'ai travaillé. Je ne suis pas arrivée à mon point de mire, mais par rapport à ce que je faisais pas si longtemps avant, j'ai avancé. Et ça, il faut le reconnaître et s'accorder des bons points. Et en se disant qu'il y a des trucs qui restent. Moi, tout à l'heure, il y a 3 ans, je m'étais prise sur la clave 12-8. Et j'ai essayé de la travailler à la batteur en faisant des indépendances avec la bouche, les mains et le pied. Et travailler différents appuis, des appuis sur les croches pointées, des appuis que sur les croches. Varier les plaisirs, quoi. Et puis, c'est un truc ensuite que j'ai laissé tomber pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais plus. Et là, je l'ai repris tout à l'heure, comme ça. Pouf, je l'avais pas fait depuis 3 ans. Le truc est revenu à une vitesse incroyable. Donc, c'est super. Je veux dire que le travail reste et s'imprègne quand on le fait de manière consciente et intelligente. Enfin, intelligente. Quand on le fait de manière consciente. Il y a une durabilité de l'information. Mais ça passe aussi par le rabâchage, par la répétition. Pourquoi ? Parce qu'il y a des connexions synaptiques qui n'existent pas encore à l'intérieur du cerveau. Quand on commence à faire quelque chose, ok ? Et ça, c'est un truc neurophysiologiquement, c'est prouvé depuis des années, quoi. Et au fur et à mesure qu'on pratique quelque chose, on crée ce qu'on appelle des autoroutes synaptiques. Et donc, cette chose que l'on pratique devient de plus en plus facile à faire parce que, chimiquement parlant et électriquement parlant, dans le cerveau, les connexions sont là. Et donc, la possibilité de réaliser et de réussir la chose devient de plus en plus facile et potentielle, je veux dire. Mais tout ça, c'est de la répétition, c'est du rabâchage pour fabriquer les synapses à l'intérieur de la tronche. Ensuite, fondamentale septième. Donc là, il y a une petite coupure vidéo parce que j'ai enchaîné fondamentale septième après fondamentale quinte. Il y a eu vraiment un moment armoire. Je peux assumer certains passages, bon, ok, pas super juste, pas super en place, bon, voilà. Je ne suis pas dans une pratique de vouloir absolument briller. C'est aussi pour montrer que tout le monde se plante, quoi. Enfin, je veux dire, tout va bien avec ça. Mais là, c'était vraiment trop armoire. Donc j'ai coupé et j'ai refait ensuite. Fondamentale septième. Donc les septièmes, il faut se les prendre isolément et les chanter. Et vraiment s'imprégner de la saveur de cet intervalle, qui est moins évident parce que moins utilisé et surtout moins isolé que les quintes et les tierces.
On peut faire une, on peut chanter Happy Birthday to You avec une deuxième voix à la tierce ou une voix en dessous à la quinte. La deuxième voix à la septième, c'est moins pratiqué, quoi. Donc on isole. Et on se dit ça, c'est la saveur d'une septième mineure. La saveur d'une septième majeure. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, par exemple, mi bémol majeur. Avec une septième majeure, je veux dire. Donc déjà, on s'imprègne du son et de la saveur d'une septième, et ensuite, on les entend mieux, hein, comme je disais avant, dans l'autre précédente vidéo trop longue, on les entend mieux pitcher à un octave supérieur, et en tout cas, il faut qu'elles soient hyper justes. Et pas hésiter à prendre le temps de savourer ce qu'on fait. J'arrive sur le Fa mineur, cinquième mesure. Voilà, là j'ai entendu une septième majeure, très bien. Je dois jouer une septième mineure. Et je refais, si je me plante, je refais. Etc, etc. Une fois qu'on les a isolément, on les enchaîne à un tempo tranquille, confortable. Voilà, on se challengera plus tard. Voilà, merci.